L'agence postale communale de Plombières-les-Dijon a été ouverte le 6 juillet 2018, c'est-à-dire il y aura bientôt un an. Bien évidemment, c'est le fruit d'une longue concertation avec les services de la Poste. Depuis 2015, nous étions en discussion pour trouver un accord la fermeture du bureau de poste de Plombières et les conditions d'ouverture de l'agence postale communale. Nous n'avons que des retours positifs de la part des concitoyens qui, pendant 3-4 ans, craignaient la fermeture du bureau de poste de Plombières pour un village de près de 3000 habitants, 2770 officiellement. Il était inconcevable, et même pour moi aussi, que ce service public ne soit plus assuré. Ma décision n'a été prise qu'après que me soient présentés les nouveaux services offerts par l'agence postale communale par rapport aux services assurés normalement par la Poste. Je voulais prendre conscience des différences de services qui en fait sont infimes. L'éventail des services offerts par l'agence postale communale est très très proche de l'éventail des services qui étaient offerts auparavant par la Poste. Donc pour l'instant, c'est vrai que aucun service manquant ne nous a été signalé. Toutes les réponses sont apportées à la clientèle de l'agence postale communale. Alors bien évidemment, nous avons eu des échanges donc avec la Poste, en particulier avec la CDPPT, qui nous assure quand même un soutien financier, qui a supporté la majeure partie de la réhabilitation de la nouvelle salle dans laquelle est installée l'agence postale communale, tant en matière d'aménagement que de matériel, mobilier, fourniture informatique. C'était important pour nous. Cet organisme participe également à la rémunération de l'agent dédié à l'agence postale communale, avec une rémunération mensuelle qui n'est pas négligeable, puisque bien évidemment cette modification de fonctionnement générait un impact financier sur le budget de la commune. Eh bien, le futur de l'agence postale communale, bien évidemment, nous sommes en lien donc avec la Poste qui nous évoque des propositions d'ateliers, des propositions de promotion commerciale. Bien évidemment, la municipalité est ouverte à toute proposition pour participer au développement de ces agences postales communales. Je suis moi-même sollicitée par des collègues de la métropole en ce moment qui se posent la question quant à l'ouverture, à la transformation de leur bureau de poste en ouverture d'agence postale communale. Et je leur propose de venir sur place voir l'installation, échanger avec l'agent dédié. Nous sommes ouverts en fait à toute nouvelle expérimentation qui puisse faire avancer le développement des agences postales communales, puisqu'à l'expérience, nous sommes satisfaits du résultat. Thank you.